Les chutes de la Lofoy. Plus haute d'Afrique et deuxième du monde, après le Niagara en Amérique. Elle représente l'une de ces merveilles de la planète que la Providence a dotée, la République démocratique du Congo. Localisée dans la province du Haut-Katanga, sur les plateaux de Kundelungu dans le parc national, les chutes Lofoy font partie du patrimoine touristique protégé de la RDC. À 245 km de route de Lubumbashi, l'accès à ce site n'est pas du tout aisé. Ce samedi 22 juillet 2017, à la suite du premier citoyen congolais, Joseph Kabila Kabange et son épouse, nous nous rendons à la découverte de cette merveille de la nature. Au volant de son véhicule 4x4, à côté de son épouse Marie-Olive Lembe Kabila, le chef de l'État prend la tête du convoi. De la station Katwe, état-major de garde du parc national de Kundelungu, nous parcourons difficilement 65 km d'une voie serpentée et accidentée. Joseph Kabila Kabange demeure conscient que diriger le Congo, c'est aussi savoir le côtoyer dans ses profondeurs. Et donc, parcourir en plus de 2h30 65 km n'est pas une simple visite pour le chef de l'État. L'opportunité lui est toute offerte pour réfléchir sur les voies et moyens de bâtir une bonne route qui facilitera l'accès aux chutes. Au bout du voyage en voiture, nous atteignons la rivière Lofoy. Tous les véhicules doivent rester dans ce parking de fortune. La suite du chemin se fera à pied et armé d'un bâton de pèlerin. Il nous faut traverser la rivière. Pour cela, les guides nous recommandent d'enlever nos chaussures. À cette période de l'année, le courant ne facilite pas la tâche aux marcheurs. Le chef de l'État et son épouse se soumettent à cet exercice que nombreux à leur place auraient troqué à un voyage en hélicoptère. We'll be right back.
j'étais trop impressionné. Même nos, les éléments qui m'ont accompagné, les éco-gardes, ils ont été vraiment impressionnés. Ils ont dit, on n'a jamais vu un président, une autorité de marque aller visiter la chute de la Lofoy à pied comme ça. Hein, vraiment, c'est très impressionnant et c'est merveilleux de voir une telle autorité avec sa famille. Et nous étions impressionnés de voir la première dame enlever les souliers et aller traverser la Lofoy. Nous étions impressionnés en tout cas. On n'a jamais vu. Elle s'est fait comme une femme du village. Ça, c'est vraiment exceptionnel. De l'autre côté de la rivière, près de 4 km, nous séparent des chutes. Nous devons marcher en suivant une piste qui s'enfuit dans la nature. Le soleil est au zénith. Faisant preuve d'endurance physique, le chef de l'État prend la tête du groupe et galvanise la marche. Joseph Kabila Kabange, à côté de son épouse, sait revêtir la peau d'un citoyen ordinaire pour affronter cette nature rude. L'objectif est ultime. Le ciel a doté la République démocratique du Congo des plus hautes chutes du continent africain. Elles doivent être revalorisées. Nous entendons les bruits que laissent les jets d'eau. Nous sommes arrivés. La vue est magnifique. Voici 384 mètres de hauteur des chutes d'eau, dont 347 sont en jet direct. Les chutes de la Lofoy sont majestueuses. Armé de son appareil photo, Joseph Kabila Kabange immortalise l'instant. Nous nous empressons aussi de prendre des photos. La visite ne sera pas longue. Tous les paysages autour de nous sont bruts. Aucun confort pour retenir les visiteurs assez longtemps. Il faut chercher à connaître son pays, oui, et à contempler les richesses que nous avons. Voilà qui nous fait dire que la présence de Joseph Kabila Kabange sur ces sites n'est pas un fait touristique du hasard.
Dans sa pensée, certainement, mûrissent des projets de modernisation et de valorisation de ces lieux pour attirer une grande activité touristique tout autour des chutes de la Lofoy. La visite est terminée et nous retournons sur nos pas. La marche, puis de nouveau la traversée de la rivière pour rejoindre les véhicules. Le couple présidentiel nous démontre à travers cette expérience sa passion pour le Congo.